C'est un chef d'État qui a de l'importance dans la zone d'Amérique du Sud, la Caraïbe, pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il est venu lors des obsèques d'Aimé Césaire. Il a fait une surprise. Il se déplace de manière imprévue. Et y compris l'État français n'était pas au courant qu'il allait venir. On a su que le matin, quoi. Et il a participé, ce qui montre bien son intérêt qu'il avait, l'intérêt qu'il avait pour la Caraïbe et notamment pour nos pays, nos îles. Et puis deuxièmement, c'est quelqu'un qui, à mon avis, posé le problème à sa manière, ce qu'il appelle la révolution bolivarienne, d'une autre forme de structuration de la présence de l'indépendance des pays d'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis. Et c'est aussi quelqu'un qui a tenté une expérience révolutionnaire, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation, la possibilité de toucher les plus démunis, de faire augmenter la capacité des pauvres à s'organiser dans l'ensemble du pays, à nationaliser certaines firmes de production, notamment autour du pétrole, à faire ce qu'on appelle le pétro-caribé, c'est-à-dire de donner la possibilité aux pays de la Caraïbe qui sont difficilement, qui n'ont pas les moyens énergétiques, de pouvoir bénéficier du pétrole vénézuélien. C'est à la fois cet aspect-là, et puis il y a d'autres aspects aussi qu'on peut être un petit peu plus critique là-dessus, c'est sa position politique, sa conception même de l'organisation de la démocratie, contestable pour certains, pas pour d'autres. Mais je suis personnellement touché par sa disparition, parce que c'est un homme de détermination.